Bonjour, chers apprenants. Je suis M. Aristide Lebongi, professeur de philosophie. Une fois de plus, nous allons continuer notre voyage philosophique. Je suis très ravi que vous êtes nombreux à nous suivre depuis chez vous. Mais avant de commencer ce voyage, j'aimerais d'abord vous raconter une petite histoire. Le 24 décembre de l'année écoulée, il y a un monsieur qui s'est rendu à l'église et il avait par devers lui un sac. Après la messe, le monsieur rentre chez lui aux environs de 19h. Il s'avère que son sac est resté à l'église. Le 25 décembre, aux environs de 14h, il reçoit l'appel de son curé, lui disant qu'il avait son courrier et le monsieur devrait impérativement passer à la paroisse, retirer son courrier. Et voilà, quand il arrive, on lui présente son sac et son curé lui dit: voici votre sac, vous l'avez égaré dans l'église. Le monsieur regarde timidement le sac, il reprend son sac, il rentre chez lui. Arrivé à la maison, il dit: pourtant, je suis allé à l'église avec mon sac. Mais je rentre chez moi, je l'oublie à l'église. C'est que ma conscience n'était pas en place. Certainement en moi, il y a une autre entité qui agit en moi malgré moi. Et cette entité n'est autre que l'inconscient. Alors, chers apprenants, c'est pour vous dire que l'homme n'est pas totalement conscient de ce qu'il fait. Il arrive à deux fois qu'il soit victime de certains faits qui échappent à sa conscience. Et ces faits, comme l'oubli, les actes manqués, relèvent de l'inconscient. Alors, cela dit, ce matin, avec vous, nous allons parler des théories de l'inconscient. Mais avant d'y arriver, nous allons faire un retour en arrière pour essayer d'épingler ce que nous avons examiné la séance passée. Alors, le cours de la séance passée a été porté sur les rapports entre la conscience et le corps. Au terme de cette étude, vous avez compris que entre le corps et la conscience, il y a deux types de rapports. D'un côté, nous avons les rapports de distinction, rapport de distinction, et de l'autre, les rapports d'union. Union, âme, corps, distinction, âme, corps. Bien. Dans le premier cas, vous avez retenu que l'âme et le corps sont des natures différentes. Et au-delà
de leurs différences, soit la conscience est supérieure au corps, soit le corps supérieur à la conscience. Dans le second cas, c'est-à-dire l'union âme-corps, vous avez retenu que l'homme est un tout cohérent. Il est à la fois conscience et corps. Autrement dit, entre l'âme et le corps, il y a une union de telle sorte que les deux ne peuvent pas être séparés. Les dissocier serait séparer l'être humain. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir par là? Dans le premier cas, les relations entre l'âme et le corps sont verticales. Dans le deuxième cas, lorsque nous parlons de l'union, les relations sont horizontales. On peut même parler d'une certaine complémentarité entre l'âme et le corps. Alors, ce matin, notre réflexion sera centrée sur l'inconscient, comme je l'ai dit au départ. Mais ce cours aura deux séquences. La première séquence sera portée sur la définition de l'inconscient. C'est pourquoi, à l'issue de cette séquence relative à la définition de l'inconscient, chacun de vous, apprenant de la classe de terminale, bien sûr, doit être en mesure d'expliquer toutes les deux définitions de l'inconscient à travers l'exposé du professeur. Inconscient. Regardez bien ce mot au tableau. Inconscient. Attentivement, vous constaterez avec moi que dans ce mot, il y a deux parties. Et le mot qui retient notre attention, c'est d'abord conscient. Parce qu'avec vous, nous avons étudié la conscience. Il y a le mot conscient, donc qui renvoie à la conscience. À côté de ce mot, il y a un préfixe négatif ou privatif, qui n'est autre que « in ». Donc le mot « inconscient » est une juxtaposition de deux mots en réalité. D'un côté, nous avons « in », donc je divise et je mets ici « in ».« In » marque la négation. Donc, on peut le remplacer par « ne pas ». Ne pas, manque. Contre. Absence. Non. Dépourvu. Ainsi de suite. Et le deuxième mot, nous avons dit conscient. Conscient. Conscient renvoie à la conscience. Alors, le plus simplement possible, la conscience devient, l'inconscient devient le manque de conscience. Alors, suivez attentivement ces deux mots. « In » signifie « ne pas ».
bien ne pas, la négation. Ne, voilà, point de suspension, pas, manque, contre, absence, non, dépourvu. Et le deuxième mot, conscient, qui renvoie à la conscience. Donc, littéralement, on peut dire, l'inconscient, c'est ne pas avoir la conscience. Ne pas avoir la conscience. Bien. L'inconscient est utilisé tantôt comme un adjectif, tantôt comme nom. À quel moment l'inconscient est adjectif? À quel moment il est nom? Adjectif. Comme adjectif, l'inconscient désigne ce qui est dépourvu. Ce qui est dépourvu de ce qui est dépourvu de conscience. Ce qui est dépourvu de conscience. Voilà. D'éviter la confusion entre X et SC. Voilà. Ce qui est dépourvu de conscience. On prend le deuxième sens. L'inconscient comme substantif. Le substantif n'est autre que le nom. Alors, ici, l'inconscient se définit comme l'ensemble des phénomènes alors quand nous parlons des phénomènes, nous faisons allusion aux actes, aux différents faits, l'ensemble des phénomènes psychiques. Qui échappe totalement à la conscience. Regardez attentivement au tableau les deux définitions. Alors, on reprend. L'inconscient est formé de deux mots latins.
Le premier mot, c'est le préfixe « in » qui marque la négation. C'est-à-dire ne pas, manque, contre, absence, non, dépourvu. Le deuxième mot latin conscire qui nous renvoie à conscient, qui n'est autre que la conscience. L'inconscient signifie ne pas avoir la conscience de quelque chose. Mais que signifie ne pas avoir la conscience de quelque chose? C'est ne pas avoir le contrôle ou la maîtrise de ce que l'on fait ou la maîtrise de ses états, de ce que l'on est. Voilà pourquoi il nous arrive à des fois à dire la papa en lieu place de le papa. Il nous arrive à deux fois, dans une allée, de regarder plutôt à gauche qu'à droite. Pourtant, l'intention était de regarder à droite, mais on regarde à gauche. Alors, ces petits faits constituent l'inconscient, montrent à suffisance que nous n'avons pas le contrôle de ce que nous faisons ou le contrôle de ce qui se passe autour de nous. Bien. Qu'à cela nous tienne, l'inconscient a deux significations. Soit adjectif, soit nom. Comment adjectif? L'inconscient, c'est ce qui est dépourvu, ce qui manque de conscience. À ce niveau, il qualifie l'état d'une conscience qui ne perçoit plus. Par exemple, quand une personne est dans l'état de l'ivresse, elle n'a pas la maîtrise des faits qu'elle pose. Et en ce moment-là, on dira que cette personne est inconsciente. Et ici, l'inconscient est conçu comme un adjectif. Mais lorsque nous prenons l'ensemble de tous ces actes que nous posons de façon involontaire, nous avons l'inconscient comme nom. C'est pourquoi vous constaterez qu'au tableau, nous avons dit l'inconscient est l'ensemble des phénomènes psychiques qui échappent totalement à la conscience. Donc, il y a certains faits que la conscience maîtrise. D'autres, par contre, échappent à son contrôle. Et ils trouvent leur source, leur origine dans l'inconscient. Alors, chers apprenants, avant d'entamer cette notion, cette définition, je vous ai dit que vous devriez être en mesure, à la fin de cette séquence, bien sûr, d'expliquer les deux définitions du concept de l'inconscient. Et je suis certain que, partant de ce qui est au tableau et de ce que nous venons de dire, chacun de vous est maintenant en mesure de donner l'explication au sujet de ce terme inconscient. Bien. Nous allons maintenant passer à la deuxième séquence. Il s'agit des précurseurs de Sigmund
les précurseurs de Sigmund Freud. Ce n'est pas Fred, c'est Freud. Donc ne confondez rien. Chers apprenants, au terme de cette deuxième séquence, portant sur les précurseurs de Sigmund Freud, vous devriez être en mesure d'expliquer toutes les deux conceptions des précurseurs de Freud à partir de l'exposé du professeur. Alors, que signifie précurseur ? Alors, si vous n'avez pas encore rencontré ce mot quelque part, précurseur veut dire prédécesseur. Certainement, vous allez nous poser la question, que signifie prédécesseur? Prédécesseur veut dire devancier. Devancier. Et un devancier, c'est un ancien, autrement dit, celui qui vient avant. Donc, les précurseurs de Sigmund Freud, ce sont des penseurs qui ont existé bien avant Sigmund Freud. Alors, c'est qui Freud? Alors, Sigmund Freud est un médecin, neurologue et psychiatre. Un médecin neurologue et psychiatre. Donc, un spécialiste des maladies mentales. Il est de nationalité autrichienne et un penseur du 20e siècle. Alors, je réponds. Sigmund Freud, c'était un médecin, neurologue et psychiatre autrichien du 20e siècle. Alors, pourquoi parler de précurseur de Sigmund Freud? La réponse est tellement simple. Alors, Freud est le premier penseur à avoir thématisé, à avoir parlé de l'inconscient avec plus de clarté. Et c'est d'ailleurs à travers lui que l'inconscient devient l'un des problèmes majeurs dans l'histoire de la philosophie. On ne peut pas parler de l'inconscient sans Freud. Il devient la figure emblématique, la référence. Alors, c'est un peu comme la philosophie des temps modernes. Lorsque nous parlons de la philosophie classique ou la philosophie des temps modernes, nous pensons à René Descartes. Donc, René Descartes est considéré comme le père de la philosophie moderne. Alors, Sigmund Freud, lui, il devient le père de l'inconscient, la référence. Alors, précurseur de Sigmund Freud, cela signifie quoi? Que bien avant lui, il y a eu des philosophes qui ont expliqué, qui ont découvert en l'homme, certaines ombres d'ombre, quelques pensées confuses qui ne manent pas de la conscience, mais plutôt d'une autre entité, d'une autre instance psychique qu'on appelle l'inconscient. Il s'agit des philosophes allemands, parmi lesquels Leibniz. Wilhelm Gottfried
Willem Gottfried. Leibniz. Leibniz. Philosophe et savant allemand, né en 1646 et mort en 1716. Le deuxième penseur que nous allons étudier, c'est Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, un nom très facile à prononcer. Un nom très facile à prononcer, mais difficile à écrire. Nietzsche, 9 lettres. On va compter. Voilà, 9 lettres. Lui aussi est un philosophe allemand, né en 1844. Et mort en 1900. Bien que 1900 étant le 20e siècle, mais il est considéré comme un philosophe du 19e siècle. Alors, pour comprendre les conceptions de ces deux auteurs, nous devons faire un recours dans l'histoire de la philosophie, plus précisément au XVIIe siècle, avec René Descartes, ce que l'on appelle par la philosophie classique. La philosophie classique avec René Descartes définit l'homme par la conscience. Donc l'homme est tout entier conscient. Pourtant, Descartes nous dit qu'en l'homme, il y a deux entités. D'un côté, la conscience et de l'autre, le corps. Ce qui échappe à la conscience procède du corps. Et ce qui échappe au corps ou ce qui n'appartient pas au corps relève du domaine de la conscience. Mais quelle est la nature de la conscience selon René Descartes? Nous l'avons dit en étudiant le cogito, que la nature de la conscience est la pensée. C'est pour autant dire qu'on ne peut pas concevoir une conscience qui ne pense pas. Conscience égale pensée. Le corps ne pense pas. C'est seulement la conscience qui pense. Et chaque fois que nous avons des pensées, nous savons que c'est la conscience qui travaille. Donc, toutes nos pensées émanent de la conscience. Et quand nous parlons de la pensée, nous voyons quoi? Le psychisme. Qu'est-ce qu'il faut retenir par là? Que selon René Descartes, le psychisme humain n'a qu'une seule réalité, à savoir la conscience. Et la conscience, c'est la pensée.
Donc, conscience, conscience, pensée et psychisme constituent une seule et même réalité selon René Descartes. Son disciple Leibniz, au XVIIe siècle, il constate chez l'homme certaines représentations obscures, certaines pensées confuses qui n'émanent pas de la conscience. C'est pour autant dire que l'homme n'est pas totalement conscient ou le psychisme humain n'est pas totalement conscient. Du coup, on parvient à une autre description du psychisme. À côté de la conscience, on constate qu'il y a une autre réalité qui est l'origine de certaines de nos pensées confuses et obscures. Alors, cette partie n'est autre que l'inconscient. À bien voir, l'inconscient occupe la plus grande partie par rapport à la conscience. Donc, l'homme est beaucoup plus inconscient que conscient. Mais attention, Leibniz n'emploie pas le terme inconscient. Il utilise une expression, à savoir les petites perceptions. Les petites perceptions sont aperceptions. Les petites perceptions sans aperception et sans aperception et sans réflexion. Alors, c'est quoi les petites perceptions? Il s'agit en fait de certains gestes et de certains mouvements incontrôlés. Ces gestes existent en grande partie et sont tellement petits à tel point que l'homme ne les perçoit pas. L'homme ne les remarque pas à cause de leur petitesse et de leur union. Pour étayer sa pensée, Leibniz prend un exemple très simple, le mugissement. Le mugissement, c'est-à-dire le bruit de la mer. Nous sommes frappés du bruit de la mer lorsque nous arrivons au rivage. Nous observons des grandes vagues qui émettent un grand bruit. Alors, ces grandes vagues ne sont constituées en réalité que des petites vagues qui émettent chacune un petit bruit. Donc, le grand bruit que nous écoutons est en réalité l'assemblage ou la somme des petits bruits
qui sème une confusion dans notre conscience. C'est-à-dire, la conscience ne parvient pas à distinguer le son de chacune des petites vagues qui se produisent toutes au même moment. En ce moment-là, nous comprenons que la conscience ressemble à un tamis qui laisse passer quelques poussières. Et des poussières qui percent les trous du tamis ne sont autres que ces faits que la conscience n'a pas la maîtrise. Et Leibniz nomme ces faits par les petites perceptions. Et ces petites perceptions, qui sont des actes involontaires, déterminent aussi notre manière d'agir. Ces faits ne sont pas de nature somatique, mais plutôt psychique. Somatique, psychique. C'est-à-dire, les petites perceptions ne relèvent pas du corps. Rappelez-vous que nous sommes sur le rapport entre la conscience et le corps chez Platon. Nous avons dit que le corps vient du mot grec soma. Et soma. Donc, les petites perceptions ne se trouvent pas dans le corps, mais trouvent leur origine dans la conscience, c'est-à-dire le psychisme. Alors, du coup, on comprend qu'une partie de la vue mentale de l'homme échappe à la conscience. La supériorité ou la suprématie, voire l'autonomie, la souveraineté de la conscience est remise en cause. La conscience qui était le centre du sujet devient en réalité un phénomène accessoire dont l'homme se détermine par des structures inconscientes à travers l'existence des petites perceptions sans aperception et sans réflexion. Voici ce que Leibniz dit en substance. Il y a 1000 marques qui font juger qu'il y a à tout moment une infinité de perceptions en nous mais sans aperception, voilà. Il y a 1000 marques qui font juger qu'il y a à tout moment une infinité de perceptions en nous, mais sans aperception et sans réflexion. Cette pensée est tirée dans son ouvrage
intitulé « Nouveau essai sur l'entendement humain ». Il faut toujours souligner le titre de l'ouvrage. Il y a des pénalités à l'examen. Sinon, vous aurez moins deux. On reprend la lecture de la pensée. Il y a mille marques qui font juger qu'il y a à tout moment une infinité de perceptions en nous, mais sans aperception et sans réflexion. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir par là? Leibniz veut tout simplement nous dire qu'il y a des mouvements dans notre âme, que la conscience n'a pas la maîtrise. Et ces mouvements illustrent bel et bien l'existence des petites perceptions qui ne sont rien d'autre que l'inconscient. Après Leibniz, nous avons Friedrich Nietzsche. Ce philosophe allemand du 19e siècle s'est inspiré des travaux de Leibniz. C'est pour autant dire qu'en critiquant la philosophie classique pour montrer l'autre dimension du psychisme humain, Leibniz ouvre la voie à Friedrich Nietzsche. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de sa pensée? Comme son prédécesseur, c'est-à-dire Leibniz, Nietzsche part également du cogito cartésien. Le cogito cartésien. Que dit le cogito cartésien? Je pense, donc je suis. Je prends l'expression je pense. On s'arrête d'abord là. Je pense. Quel est le sujet du verbe penser? Nietzsche dit, c'est le je, d'après René Descartes. Or, le je ici n'est autre que la conscience. C'est pour autant dire que les pensées viennent de la conscience. Il y a, à ce niveau, une équivalence entre la conscience et la pensée. On ne peut pas concevoir une pensée sans la conscience, tout comme la conscience sans la pensée. Les deux sont identiques. Nietzsche dit, c'est une grave erreur de penser que le « je » est le sujet de l'attribut « je pense ». Pourquoi? Parce qu'il y a des pensées qui naissent en nous sans pourtant que la conscience ne soit en mesure de les expliciter. Et ces pensées ne viennent pas de la conscience, mais viennent plutôt d'une autre entité. Et à ce niveau, Nietzsche va reconnaître l'existence d'une pensée inconsciente et l'existence d'une pensée inconsciente et impersonnelle. Du coup, le psychisme cesse d'être totalement conscient. Le psychisme
devient cette réalité constituée de deux instances. Ce que nous avons dit tout à l'heure. Au lieu de dire « je pense » comme l'observe René Descartes, l'homme ferait mieux de dire « ça pense ». Donc ce n'est plus le « je » qui pense, c'est le « ça » qui pense. Mais c'est quoi le « ça », le « das » en allemand? C'est ce que nous n'avons pas là, la maîtrise. Ce que nous n'avons pas, la maîtrise. Alors, du coup, quand vous regardez ce schéma, vous constaterez avec moi que la partie réservée à la conscience est faible. Donc, la conscience a un contenu minime, a un contenu faible. Et la grande partie de l'activité intellectuelle échappe à son contrôle. Rappelez-vous, chers apprenants, quand nous sommes sur le rapport entre la conscience et le corps, plus précisément dans la distinction et la deuxième dimension de cette distinction, c'est-à-dire la supériorité du corps sur l'âme. Nous avons parlé de Nietzsche et chez lui, la conscience n'est qu'un organe encore enfant. Elle est pauvre et étroite, bref, un épiphénomène, un instrument au service du corps, un jouet. Le corps est le montreur de route. C'est ce que nous avons dit. Donc, la conscience n'a pas d'influence sur le corps. Elle est secondaire, reléguée au second plan. Donc, du point de vue physiologique, la conscience procède de l'activité cérébrale de l'homme. Or, cette activité cérébrale ici, c'est quoi? C'est le psychisme. Et dans le psychisme, la conscience devient un phénomène surajouté. Voilà pourquoi elle n'a pas d'influence. Voilà pourquoi son contenu est tellement faible. Et son importance est secondaire. Pour être plus clair, tout en critiquant le cogito cartésien, voici ce que Nietzsche nous propose dans son ouvrage titré « Le gai savoir ». Il écrit ce qui suit. J'espère que vous avez déjà noté la pensée de Leibniz. Nietzsche dit, de longues périodes dureront. On a considéré la pensée consciente en tant que
La pensée au sens absolu. À partir de maintenant. La vérité à partir de maintenant, la vérité se fait jour en nous. Que la majeure partie de notre activité intellectuelle se déroule inconsciemment. Consciemment. Bien, on reprend la lecture. De longues périodes durant, on a considéré la pensée consciente en tant que la pensée au sens absolu. À partir de maintenant, la vérité se fait jour en nous que la majeure partie de notre activité intellectuelle. Voilà, il faut toujours relire la pensée quand vous finissez de l'écrire. Activité intellectuelle. Et ça prouve en suffisance que l'inconscient existe. La majeure partie de notre activité intellectuelle se déroule inconsciemment. Bien, on reprend la lecture. De longues périodes durant, on a considéré la pensée consciente en tant que la pensée au sens absolu. À partir de maintenant, la vérité se fait jour en nous que la majeure partie de notre activité intellectuelle se déroule inconsciemment. Alors, par rapport à ce que nous avons dit en amont, on peut diviser cette pensée en deux parties. La première, de longues périodes durant, on a considéré la pensée consciente en tant que la pensée au sens absolu. La première partie. Suivez attentivement. De longues périodes durant. Là, je réitère. De longues périodes durant, on a considéré la pensée consciente en tant que la pensée au sens absolu. C'est bien. À partir de maintenant, la vérité
se fait jour en nous que la majeure partie de notre activité intellectuelle se déroule inconsciemment. Bien, nous avons dit, il y a deux parties. La première partie part de longues périodes jusqu'à sens absolu. À ce niveau, Nietzsche nous ramène à la conception cartésienne. C'est pour dire que pendant plusieurs siècles, la conscience était considérée comme le centre de toutes nos pensées. Mais avec lui, et au 19e siècle, il y a une autre vérité qui jaillit. Laquelle? Notre activité intellectuelle se déroule inconsciemment. Et quand Nietzsche parle de l'activité intellectuelle ici, il nous ramène à la pensée. Donc, la plupart de nos pensées viennent de l'inconscient et non de la conscience. Donc, c'est une erreur grave de dire « je pense » comme l'a fait René Descartes. Ce n'est pas le « je » qui pense, non. Le « je » ne maîtrise pas la pensée. Pourquoi? Parce que la pensée vient de l'inconscient. Donc, elle échappe à quoi? Elle échappe à la conscience. Alors, dans ce sens, on ne peut plus dire que la conscience est capable de maîtriser les pensées de l'homme. Non. Nietzsche vient par là nous montrer les défaillances de la conscience, ses insuffisances, ses lacunes. Ce faisant, il ouvre la voie à Sigmund Freud. Il ouvre la voie à Sigmund Freud. Pour chuter, puisque je vous ai dit au départ que vous devriez, qu'à la fin, au terme de notre deuxième séquence, portant sur les précurseurs de Sigmund Freud, chacun de vous devrait être en mesure d'expliquer toutes les deux conceptions des précurseurs de Sigmund Freud à partir de l'exposé du professeur. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir par là? Leibniz, comme Friedrich Nietzsche, les deux ont critiqué la philosophie classique ou la philosophie de la conscience chère à René Descartes. D'après ces deux penseurs allemands, l'inconscient n'est plus une illusion comme le prétend René Descartes. L'inconscient devient une réalité psychique. La conscience présente beaucoup de défaillances. Et pour montrer l'existence de l'inconscient, Leibniz a utilisé l'expression « les petites perceptions sans apperception et sans réflexion ». Quant à Nietzsche, pour montrer que l'inconscient est une réalité psychique, il a utilisé l'existence d'une pensée impersonnelle et inconsciente pour montrer que la conscience est limitée, ses données sont extrêmement lacunaires. Et c'est l'inconscient qui gouverne la vie psychique de l'homme. Et nous allons approfondir cette connaissance de l'inconscient lorsque nous allons étudier la conception freudienne de l'inconscient. Ce que vous allez noter d'ailleurs, et nous allons expliquer la séance prochaine. Alors, prochainement, vous notez
petit 3. Approche. Freudienne de l'inconscient. Bien, chers apprenants, nous sommes arrivés au terme de notre voyage philosophique de ce matin. Alors, prochainement, nous allons revenir sur la conception de Freud. Portez bien chez vous et à nous revoir très bientôt.